Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la pire erreur que je pense avoir faite sur la conception de ma tiny house et les conseils que je pourrais partager à celles et ceux qui ont un projet similaire pour ne pas reproduire la même chose. Allez, c'est parti! Alors, il y a pile 3 ans, je revenais d'un voyage qui avait bouleversé plein de choses dans ma vie et commençait à naître aussi dans ma tête ce projet de Tiny. Je ne pensais pas que lui aussi allait bouleverser ma vie. Et dans cette aventure, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et parmi ces moments durs, je pense qu'il y en a beaucoup que j'aurais pu éviter si j'avais pas fait cette erreur-là pendant quasiment presque tout le projet de Tiny House. C'est une erreur que j'ai reproduit pendant longtemps. Ce pas un problème de choix de matériaux, c'est pas un problème de choix de conception, C'était pas un problème de législation et c'était pas tant un problème de compétence. Cette grosse erreur que j'ai faite sur ma Tiny pendant longtemps, ça a été d'avancer seul de ne pas euh, aller chercher de l'aide et de vouloir me débrouiller tout seul euh, sans imaginer que je pouvais faire autrement. Du coup, je vais vous expliquer un peu toutes les erreurs que j'ai faites à ce sujet-là, ce que j'ai mis en place pour les corriger, et puis les conseils que je pourrais vous partager pour que votre projet de Tiny se passe le mieux possible, à la fois pour que ça se passe bien euh, bah, d'un point de vue pratique, que la Tiny se construise bien, et aussi pour vous, émotionnellement, mais aussi financièrement, parce que les erreurs, ça peut aussi coûter cher financièrement. À cette époque-là, c'est le Covid, le monde s'est un peu arrêté et très vite, je me confronte au manque de connaissances. Tout ce que j'avais comme accompagnement à cette époque-là, c'était les vidéos YouTube de Jonathan Yunae, un peu de Lars, un peu de Laurent Jacquet. Et je regardais ces vidéos en boucle et je mettais pause et je zoomais sur la vidéo pour essayer de voir l'assemblage bois qui avait là haut que je pouvais deviner, que j'avais besoin pour dessiner mes plans. Et mais c'était une galère de ouf, mais c'est tout ce que je trouvais comme aide en fait, que j'allais chercher comme aide, tout ce que j'osais aller chercher comme aide. Parce qu'en fait, il y en avait de l'aide disponible sur Terre, tu vois, en France, même autour de chez moi, mais je ne savais pas qu'elle existait ou j'imaginais même pas que je pouvais aller demander de l'aide. Et à ce moment-là, en fait, je ne réalisais pas que je perdais 90% de mon temps. Vraiment 90% de ma conception, c'était du temps perdu. Tout ça parce que j'avançais seul, à essayer d'inventer la connaissance que je n'avais pas. Et même quand je trouvais une solution ou même quand je décidais d'une solution j'étais pas sûr de mes informations parce que venait venaient de, un peu de moi et un peu de ce que j'ai gratté à droite à gauche et quand je mettre une solution dans mon projet il y a une part qui est là en mode ah mais c'est pas sûr mais ça se trouve ça va pas marcher mais ça se trouve ça va pas tenir mais ça se trouve ça va fuir mais ça se trouve ça va pas être étanche et donc même quand je trouvais une solution j'avais une charge mentale qui disparaissait pas ça c'était vraiment quelque chose qui a été dur sur tout le long de ma conception quasiment pendant un an alors pendant cette phase de conception je suis quand même allé chercher un peu d'aide. Il y a eu des mauvaises aides. Par exemple, quand j'allais me rapprocher de professionnels du bâtiment, souvent je me rapprochais de personnes qui sont sûrement très bonnes dans leur domaine, mais en fait qui n'y connaissaient rien en Tiny J'ai vu des charpentiers, ils ne se posaient pas la question de la complexité du poids qu'on doit respecter en Tiny house, de la place qu'on doit économiser en Tiny house. Ça ne m'apportait pas vraiment de solution. Après, il y a eu des réponses, on va dire moyennes. Déjà, il y a toutes les vidéos YouTube, franchement, qui sont d'une richesse à, à, à soulever. Et donc, merci déjà à toutes les personnes qui prennent le temps. De partager des vidéos sur YouTube. Et donc, ça, c'était méga intéressant et en même temps pas suffisant non plus. C'est très spécifique. Et puis, c'est des vidéos qui commençaient à dater, qui n'étaient pas forcément dans lesquelles il y avait aussi des erreurs que moi-même j'ai reproduit du coup. Et après, il y a eu les commerciaux aussi de certains produits. Mais, en eff... Mais à chaque fois, il y avait le problème de ces personnes sont pas très spécifiques à la Tinyers. Et les seules bonnes aides que j'ai ai su aller chercher à ce moment-là, ça a été à la fois une formation que j'ai pu faire sur le solaire, par exemple, pour faire du solaire thermique ou photovoltaïque. Donc vraiment, en fait, payer une formation. C'était d'ailleurs avec les ateliers verts du solaire. Et aussi d'aller demander de l'aide à des entreprises qui font des tiny. Et je suis méga plein de gratitude pour ces personnes qui ont pris le temps de me répondre. Là, j'avais vraiment des vraies réponses, du coup, qui étaient efficaces et efficientes pour mon projet. Aujourd'hui, je m'aperçois que là où j'ai perdu le plus de temps, déjà, c'est sur la méthodologie de travail. Je vois aujourd'hui le temps que j'ai perdu à dessiner des trucs qui n'allaient pas être possibles, regarder des vidéos des photos sur Pinterest. Alors que la plupart des photos qu'on voit sur Pinterest, c'est des tiny qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux US, sont démesurés en termes de taille et qui n'ont pas nos problèmes climatiques, enfin, qui n'ont pas d'hiver, par exemple. Et l'erreur, c'est de se projeter par rapport à ça. Là où j'ai perdu beaucoup de temps aussi, c'est sur l'utopie de me dire ah ouais sur un papier en fait là je peux dessiner une petite table là, je peux dessiner un mécanisme qui va s'ouvrir etc mais dans la vraie vie il faut plus de place et puis cet assemblage compliqué bah ben, en fait je peux le faire sur un logiciel ou sur un papier et puis en fait qu'on faudra le faire sur un bout de bois je le ferai aussi bah ben non en fait dans la vraie vie on se retrouve avec des outils avec un bout de bois avec euh, la réalité du bois qui casse, qui fend sur le choix de mes matériaux. J'ai perdu un temps de ouf. La budgétisation, le fichier, toi qui me dit quelle est la quantité de matériaux que je vais avoir dans mon projet, combien il coûte à l'unité, combien il coûte au total, combien il pèse à l'unité, combien il pèse au total. Et j'ai le poids de ma tiny Je vous souhaite de ne pas perdre ce temps-là. Les plans, j'ai perdu beaucoup de temps à revenir sur des détails qui n'avaient pas d'importance parce qu'en fait, il y a des choses qui vont évoluer pendant le chantier quand on aura la matière sous les yeux. L'électricité, c'est un truc j'ai perdu what mille temps. Le complexe du plancher, ça m'a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais mettre sous mon plancher entre. Euh... Plancher ma remarque, euh, pour le choix de ma couverture aussi, le choix de mes vis et puis pour trouver un lieu de chantier. Pour trouver un lieu de chantier, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'étais tout seul dans mon coin à essayer de regarder ce qu'il y avait à droite, à gauche et c'était dur d'aller demander de l'aide parce que je me sentais pas compris dans mon projet. Ce projet de house, il était un truc du luberlu. Euh, c'était dur d'aller demander de l'aide autour de moi en fait parce que euh, dans, ce, dans le milieu dans lequel j'étais à cette époque là, c'est pas du tout un milieu qui connaît les Tiny qui va les valoriser, c'est plutôt euh, un milieu qui, qui va critiquer ce genre d'habitat ou ce mode de choix de vie. Donc du coup, c'était dur d'aller chercher de l'aide ou de pouvoir compter un peu sur des gens. La conclusion de ça c'est c'est qu'au euh, bout de 6-8 mois, bah, euh, je sentais que j'avançais plus et que j'étais en train de me dégourager et que je perdais toute mon énergie. Et ce qui a beaucoup résolu le problème, ça a été d'intégrer Tinyland. C'est un atelier partagé qui est ici dans la Drôme pour autoconstructeurs et autoconstructrices. Et en fait, bah, ça a été sûrement la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que je me suis retrouvé entouré déjà d'autres porteurs et porteuses de projets similaires. J'étais avec d'autres personnes qui se posaient des questions sur son choix de vie, sur son impact écologique, environnemental, sur le choix de son habitat. Et le problème, c'est que même en étant à Tinyland, j'ai continué de faire la même erreur, de ne pas tant demander d'aide, ne pas communiquer, de rester enfermé avec mes problèmes. Soit je ne demandais pas l'avis des gens autour de moi dans l'atelier, soit je ne demandais pas l'avis de professionnels que je pouvais rencontrer autour, etc. Alors pourquoi je faisais ça Je pense que déjà il y a un truc éducatif là-dedans. Je ne pas d'un milieu où les, la communication fait partie de ce qui a été transmis. Communiquer, c'est vraiment un truc que j'ai appris ces dernières années en fait. Euh, ensuite, il y a la vulnérabilité, de dire je sais pas, de dire j'ai besoin d'aide. Et je pense qu'il y a aussi une part d'ego en tant que mec où j'ai grandi dans ce milieu aussi, où un mec euh, valorisé, c'est un mec qui sait bricoler, qui sait faire de la mécanique. Et je pense qu'il y a une part d'ego masculine quand même de euh, ah, je dois dire que je sais pas comment je visse ce truc. Il y avait la peur de déranger énormément, la peur de déranger, et la peur d'être redevable. Voilà, tout ça, c'était des petits blocages qui m'ont aussi rendu la tâche difficile d'aller demander de l'aide et d'aller chercher des solutions chez ceux et chez celles qui savent. Pourtant, c'est ça la clé quoi. Et j'allais aussi pas trop demander la vie de professionnelle parce que j'avais peur d'être jugé sur mon projet. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était ok pour les personnes en général. Que, et surtout que je gagnais un temps et un confort mental, mais du feu de Dieu quoi. Ce truc où tu restes une journée entière kéblo sur un problème que tu n'oses pas partager. Et puis un moment, euh, tu sais pas ce qui se passe, tu es au bout de ta vie, tu en parles à quelqu'un. Pouf ça s'est envolé. Ou alors juste tu l'as partagé. Peut-être que la personne n'a pas réponse, mais c'est partagé. Petit à petit, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en confort mental grâce à ça, et je gagnais en confiance dans le processus de demander de l'aide du coup. Et à chaque fois, ça devenait un petit peu plus facile. Donc par exemple, j'allais demander bah, des conseils aux autres personnes de Tinyland, des conseils aux pros. J'ai aussi fait appel à deux professionnels, un couvreur et un plombier. J'allais demander aussi des conseils aux fournisseurs. Et après, c'était méga important aussi de réseauter. Et ça, c'est l'importance de l'intelligence sociale que j'avais pas tant que ça, je crois. Et de rencontrer du monde et machin, il connaît Bidule, qui est menuisier, qui est menuisière, qui peut te faire une fenêtre, qui a une vieille porte à filet, qui a du bois de récup. En fait, je crois que c'est la plus grande force de ce genre de projet, c'est de, de créer un, un crew, tu vois, de, de personnes qui peuvent être aidantes de près ou de loin. Et je crois que la clé, elle est vraiment là. Et ça, faut le faire avant de faire une boulette. Avant de faire une boulette qui coûte cher en temps, en charge mentale, en confiance en soi, voire en thune. Avant de faire des boulettes, allez chercher de l'aide, allez chercher de la connaissance. Et ça peut être résolu en 30 secondes, euh, quand ça peut durer une journée entière, voire plus si on fait une connerie qui a des conséquences. Ça fait qu'aujourd'hui, je vois tout le temps que j'ai perdu de ouf, je vois les erreurs que j'aurais pu éviter, je vois la charge mentale que j'aurais pu euh, économiser, la sérénité que j'aurais gagnée, mais... Mais fois mille. Ces projets qu'on a en autoconstruction en plus, ils sont déjà tellement. C'est déjà tellement lourd en termes de choix de vie. Et la vie, elle est assez stressante. <laughs> Faut pas hésiter à aller chercher de l'aide où il y en a. Du coup, ça aurait été quoi la solution idéale bah, C'est d'être accompagné. Soit par des personnes qui sont dans notre entourage mais des fois ça suffit pas non plus, soit par des personnes qui proposent ça. Pourquoi est-ce qu'à l'époque je ne me suis pas fait accompagner Parce que je ne connaissais personne qui faisait ça, j'avais vu ça nulle part, et puis je me disais je ne vais pas dépenser encore de l'argent pour pouvoir être accompagné, moi je vais chercher sur internet et puis je vais faire tout ça et puis je vais voir. Aujourd'hui je réalise que l'argent que j'aurais dépensé en accompagnement, je l'aurais déjà gagné. En temps euh, passé à travailler, je l'aurais gagné en sérénité, je l'aurais gagné en erreurs évitées. Parce qu'il y a des erreurs qui m'ont coûté ben, de l'argent aussi. Et puis il ne faut pas grand-chose pour être bien accompagné, et être serein sur son projet. Euh, il suffit juste d'une bonne base de travail, d'une vision claire d'un projet, de son projet, dans quel ordre on va faire des choses, d'avoir une bonne base de départ. C'est pour ça d'ailleurs que moi aujourd'hui, je propose aussi cet accompagnement, que ce soit personnalisé, on peut dessiner ton projet ensemble, ou alors je fais des stages de groupe pour qu'on soit avec cette osmose-là de plein de personnes pour pouvoir partager euh, ces projets-là ensemble et réfléchir ensemble. Et de cette manière-là, on avance ensemble avec la bonne méthode pour construire sa tiny, savoir exactement où on va. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'aurais aimé faire pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement sur mon projet. Voilà, c'est un peu le feedback que je me fais de sûrement la plus grosse erreur que j'ai faite sur mon chantier. Tu vois, pas une erreur de, de bricolage, entre guillemets, euh, même s'il y en a eu des boulettes, il y en a eu un paquet. Euh, C'était plutôt une erreur de, de démarche humaine, de posture humaine, d'humilité aussi. J'ai la chance d'être méga accompagné par Autumn, qui était là sur le chantier. Euh, donc j'ai pas été seul humainement, mais j'ai été seul dans cette conception, dans l'expertise. J'étais seul dans le fait de porter le projet. Si je devais résumer un peu tout ça, je dirais que j'ai pas demandé d'aide à cause de cette éducation familiale, cette éducation sociétale aussi, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à demander de l'aide, tu vois, tricher ou demander de l'aide en examen, c'est interdit. Par égo masculin, sûrement, par peur de déranger, par peur d'être redevable. Et le problème, ben, c'était toute cette perte de temps, cette perte d'argent, et à trouver des solutions dans lesquelles je ne suis pas sûr et donc dans lesquelles je ne suis pas confortable. Donc à la fin, il y a toujours de la charge mentale. Ça a créé beaucoup de découragement et des fois du dégoût, même de la frustration de ce projet en mode, mais putain, pourquoi je fais ça Vraiment, la conclusion, je dirais que savoir, c'est pouvoir. En fait, tout est possible dans la vie. Tu veux construire une fusée, c'est possible. Mais il faut savoir le faire. Et il faut aller la chercher, cette connaissance. Ou alors des fois, on n'a pas envie. Et cela, on se dit, bah vas-y, je laisse quelqu'un faire pour moi. Mais s'il si y a un truc que je referais, si je devais revenir en arrière, ce serait de tout de suite aller chercher de l'aide. Et de tout de suite aller chercher la connaissance chez les personnes qui l'ont. Oser aller demander de l'aide. Oser rencontrer des gens. Et en fait, après, ça s'étire en étoiles et en toiles d'araignée, tu vois. Et en fait, derrière, on se pose par exemple toute la question, tous et tous la question de où est-ce qu'on va s'installer, parce que c'est compliqué de s'installer en tiny. Mais en force, à force d'intégrer des gens à son projet de près ou de loin, et ben les gens, ils en parlent, ils rencontrent des personnes. Et en fait, tu connais Machin qui connaît Bidule, qui sait que lui ou elle a un terrain qui serait intéressé pour mettre une tiny. Et des fois, aller chercher cette aide, ça peut aussi être un investissement, soit euh, émotionnel parce que c'est dur d'aller demander de l'aide à quelqu'un, soit financier parce que ben, on paye un accompagnement, par exemple. Mais derrière, il y a un retour sur cet investissement. Voilà, voilà, petite conclusion ce serait ça. L'intelligence sociale et collective. Et c'est, je pense, le truc que moi j'aurais changé si je devais refaire ce projet de Tinyers être accompagné pour aller plus vite, plus sereinement et faire des choix qui soient plus cohérents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est assez nouveau pour moi de refaire de la vidéo YouTube, d'avoir ce format un peu blabla. Je vous embrasse et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Et si tu es intéressé par de l'accompagnement pour ton projet, n'hésite pas à aller sur le site internet et à m'envoyer un petit message. Ciao